Alors, quand je suis arrivé, il y avait ici, j'avais ici la tante de ma mère et elle voulait en fait m'accueillir parce que voilà, j'avais personne ici quand je suis venu en Belgique, du coup, je suis resté chez elle. Et non, j'ai pas trouvé directement une école, ça a pris un peu de temps. Enfin, oui, ça a pris 2 mois ou 3 mois pour trouver une école. C'est difficile en fait parce que je parlais pas bien français. Et en fait, ils voulaient, je sais pas pourquoi, les professeurs voulaient que je fasse le CEB après même pas 6 mois. Oui, alors que je parlais même pas bien français, je comprenais pas les consignes. Alors j'ai raté. Ils ont dit normalement maintenant tu dois te débrouiller, on doit choisir la classe pour toi. Et ils ont pris 5 élèves de chaque classe pas. Après, tout le monde a raté tout. Senti très mal, j'ai pleuré, j'étais en dépression pendant 2 jours parce que moi j'avais jamais raté dans ma vie. Ma tante, au lieu de m'aider, elle était là à me dire ouais, c'est toi qui voulais pas réussir et tout. Les professeurs ils savaient très bien que moi j'étais tout le temps là pour étudier, j'étais tout le temps là à faire mes devoirs. Les professeurs ils étaient là pour me soutenir. Au début, en fait, j'avais des difficultés à m'habituer. Disons qu'ils se moquaient de moi quand j'étais là en mode « Ah, il parle pas français. Ah, pourquoi tu parles anglais ?» Le professeur me comprenait pas, en fait. Et je pleurais beaucoup, en fait, à l'école au début. Même les professeurs, des fois, ils criaient sur moi. Non, pas du tout. En Belgique ou dans n'importe quel pays, mais pas en Syrie. Et si je retourne en Syrie, ça va vraiment me mettre vraiment en bas. J'ai vécu que des choses difficiles là-bas. Là, le jour d'aujourd'hui, c'est fini. Hein. J'ai même pas tourné la page. J'ai déchiré la page. Genre, vraiment, j'essaye de enterrer tout. Tout ce que j'ai vécu, je l'enterre en fait. Bonjour, je viens de Syrie. Je suis en Belgique depuis 3 ans, 3 ans et demi. Mon père est venu en Belgique par la mer. Puis, on est venu, moi, ma mère et mon frère, en avion. Et j'ai resté environ un mois pour trouver une école. Dans ma première école, je me sentais bien parce que j'avais des amis et j'avais des amis qui parlent ma langue. Mais dans la deuxième école, je me sentais toujours mal. J'avais pas des amis en classe, j'étais toujours toute seule et les autres élèves m'aimaient pas. Ils disaient des choses pas vraies sur moi et ils m'harcelaient aussi. Pour les profs, certaines, ils étaient gentils avec moi. Et je trouve qu'ils ont fait des efforts pour que je comprenne sur eux. Le plus difficile à vivre, c'est de faire genre que je me sentais bien. Ce qui m'a vraiment aidée pour apprendre la langue, c'est la répétition. Et d'entendre les gens parler français. De avoir un dictionnaire et une prof gentille qui nous aide tout le temps. Je me sentais heureuse quand je comprenais ce que les profs disent. Et je me sentais mal quand les autres disaient mon prénom et moi je ne savais pas ce qu'ils disent. J'ai resté environ 5-6 mois pour être capable de répondre si quelqu'un me pose une question. J'avais toujours l'impression que je vais rater le CEB et je vais jamais être capable de parler comme les autres élèves. En Syrie, j'avais beaucoup des amis, j'avais toujours des bonnes notes et je comprenais sur les profs et les élèves. Et c'était pas le cas en Belgique. Aujourd'hui, je me sens bien parce que d'être respectée par les autres et d'être capable de répondre et de parler, c'est vraiment très bien. Et je vois pas que je vais retourner un jour en Syrie, peut-être en vacances, peut-être 2-3 jours, une semaine comme ça, mais de retourner vivre là-bas, je vois pas, non. Parce que si je reviens, je serai obligée de tout recommencer depuis le début.
d'écrire correctement, d'écrire les chiffres correctement, et ça, je trouve ça trop difficile de tout recommencer depuis le début. Ça m'arrive tout le temps de se souvenir comment j'étais en Syrie, comment c'était ma vie, et comment j'avais beaucoup des amis, j'avais des personnes qui m'aimaient vraiment. Et ma future, je le trouve ici, je le trouve pas en Belgique, en Syrie. Au début, j'avais toujours l'impression que je voulais retourner en Syrie parce que c'était mieux là-bas. Mais maintenant, après d'avoir parlé et tout, non, je me sens bien. Je me sens bien ici. Je demande au professeur d'essayer de comprendre sur les autres élèves, d'essayer de parler avec eux, essayer de les comprendre. Je sais pas, avec Google Traduction ou quelque chose comme ça, même si on parlait pas les mêmes langues. Y a personne qui est nul. On est tous capables. Mais juste, il faut attendre un peu, il faut plus travailler. Il faut qu'on montre aux autres qu'on est capable, on est vraiment capable. Et ne pas écouter les autres, ce qu'ils disent. Et voilà.